fait longtemps que j'ai pas joué de personnage comme ça. J'ai la vision de ce personnage qui est toujours en mouvement, toujours en avant. Et que rien ne peut arrêter. Tout ça en étant gentleman cambrioleur, évidemment. Arsène Lupin is a very famous French hero. You read Lupin at school like you would read Victor Hugo in France. Arsène Lupin is a set of books. It's something that people love. The kind of gentleman burglar who is a charismatic thief. He'll steal diamonds, he'll rob galleries. He's there one minute, gone the next, style. Omar Sy is one of the biggest French stars. Omar, c'est quelqu'un d'élégant, de charmant, de farceur. C'était très jouissif parce que tout le monde avait envie vraiment de jouer, de s'amuser avec Lupin parce que c'est vraiment une matière créative assez riche. C'est avec Omar qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'il incarne Arsène Lupin, mais qu'il fallait que ce soit plutôt un hommage à Arsène Lupin. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Omar Sy plays someone who loves Arsène Lupin. Through this book, he learned life, he learned relationships, he learned to be the smartest man in the room, and he's going to use all these books as a methodology to avenge his father. Cette quête de revanche qu'a mon personnage, c'est un bon parallèle avec Lupin lui-même. C'est-à-dire qu'il est obligé à chaque fois d'incarner des personnages différents pour pouvoir accomplir sa vengeance. We learn very quickly that he's about to steal something that has a greater significance than his normal level crimes. The Queen's necklace, which is going under auction at the Louvre. Il y a pas mal de lieux emblématiques, je dirais. C'est vrai que le Louvre, c'est quand même un décor grandiose. Tourner sous la pyramide, c'est quelque chose d'assez unique et d'assez extraordinaire. Il y a un moment donné comme ça où j'ai un petit éclair, où je prends conscience qu'on est au Louvre et que je suis surtout dans la pièce où il y a la Joconde. I think what's great about the show is that Paris really sits at the heart of this show. On a ancré la chose dans quelque chose de très actuel. On voulait montrer le Paris, mais tel quel, c'est-à-dire aussi bien les monuments, mais aussi la banlieue. C'était important de montrer Paris dans son entièreté et on n'avait pas envie de faire la carte postale. Il y a énormément de virtuosité dans cette série, apportée notamment par les textes, par l'histoire qu'on raconte, mais également par la mise en scène que Le Terrier a mise en place. Il est partout, il tient la caméra, il est steadicammer, il met d'une énergie et d'un dynamisme incroyables. Le personnage idéal pour un acteur, pour moi, c'est Lupin. On peut tout faire avec, on peut faire du drame, on peut être marrant, léger. Il est charmeur, il est malin, il y a de l'action.